Amber Lee Friis, finaliste de Miss Univers Nouvelle-Zélande, a été retrouvée morte à son domicile, le 18 mai dernier, à l'âge de 23 ans. Le monde est un endroit moins bon sans elle. Elle avait beaucoup plus à donner et c'est une terrible tragédie qu'elle ne soit pas là pour réaliser son potentiel illimité. RIP Amber Lee, tu nous as laissé beaucoup trop tôt, a écrit Nigel Godfrey, le patron du concours Miss Univers Nouvelle-Zélande, dans un post Facebook. Amber Lee Friis est décédée à l'âge de 23 ans, lundi 18 mai. Son corps a été retrouvé sans vie, à son domicile. À en croire People, la reine de beauté se serait suicidée. Le média affirme en effet que la police néo-zélandaise a été appelée pour une mort soudaine. Il y a quelques années, la jeune femme avait connu l'humiliation via les critiques et moqueries et ce, à cause d'une prise de poids, j'avais une vision négative de tout. Je me voyais comme une vieille femme en colère et grosse puis je me suis dit, ce n'est pas à ça que je veux ressembler, avait-elle expliqué. Amber Lee Friis avait réussi le pari de prendre sa revanche sur son adolescence compliquée en devenant finaliste du concours Miss Univers Nouvelle-Zélande 2019 qui ouvre la porte, comme son nom l'indique, à celui de Miss Univers. Continue de briller, Amber Lee, juste comme on se souviendra de toi, ont de leur côté écrit les organisateurs, extrêmement choqués par la terrible nouvelle qui leur est parvenue. Tôi là biên tập viên Hoàng Biên đến từ kênh tin tức 24 giờ. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đưa đến cho các bạn những tin tức mới nhất được cập nhật luôn liên tục và cho các bạn những tin tức nóng hổi, tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Rất mong quý vị quan tâm và ủng hộ cho kênh của chúng tôi để phát triển ngày một hơn. Và các bạn đừng quên like, share và support cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào những bản tin tiếp theo.